Coucou YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce soir on se retrouve pour un petit défi Sims. On m'a mis au défi de tester un gameplay pendant 30 minutes avec un Sims kleptomane. C'est le trait principal de cette petite Sims qui s'appelle Maxine the Pocket, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse pendant une demi-heure voler tout ce qu'on peut pour voir jusqu'à combien on peut voler et combien on aura amassé en une demi-heure. Sachant que l'objectif c'est quand même de faire 1000 Simflouz. Et ça va être intense. Alors, c'est parti pour 30 minutes. Je n'ai plus le petit timer là, ça ne marche plus. Mais c'est pas grave, hein, on va faire avec le vieux téléphone. 30 minutes avec la fouine de Maxine. Regardez-moi cette tronche. Elle a même... Et puis elle louche un petit peu, hein, ça fera son petit charme. C'est parti mon zizi, à 3 et 2 et 1. Voilà, allez, j'ai perdu une seconde. C'est parti, c'est partout. On va tout de suite en ville, voilà. On va aller tout de suite en ville, elle a pris un terrain qui est tout vide et on va aller en ville parce que je me dis qu'il faut qu'on aille chez des gens qu'on connaît un peu. Je vais pas juste aller voler comme ça, je vais aller voler chez des gens qu'on connaît parce que c'est quand même un peu plus logique. Donc là, on va rencontrer des gens. Ah super, regardez, elle, on sait où elle habite Tartosa. Bonjour madame Tartosa. Alors ici, on peut déjà voler des trucs ou pas? Comment ça se passe? Se plaindre du vent, s'enthousiasmer à propos du mariage, on s'en fout. Féliciter pour les fiançailles, on s'en fout. Mais si elle nous aime bien, elle nous invitera chez elle. Et on pourra voler toutes ses lampes. Alors ici, est-ce que je peux voler des trucs? Nous sommes des petites novices. Mais attends, ta pote, elle est où? Elle est où? Lui, c'est son mec. Ah, super. Va lui dire bonjour, comme ça, voilà. Ah, il y a lui aussi, Enford and Begley. Allez, hop, tu vas lui dire bonjour. Ah, mais au moins, on va aller à Tartosa, moi, je vous le dis. Ah. What do we do some more? Voilà, c'est bien, discute, hein. Fais-toi copine avec tout le monde, là. Lui aussi, Tartosa. Ah oui, l'hôtel s'était barré. Elle aussi. Ah, vas-y. Après, on va les voler. Tu veux voler, ça? Tu peux pas voler ça. Tu peux pas voler ça. Bon, allez. On y va. On a perdu trop de temps. Tartosa. On y va, on est bien. Mais en fait, je crois que je connais personne, là. Pourquoi je peux pas? Greta. En fait, attendez, je sais plus, là. Je me suis trompée. Si bon, on connaît. Allez. Allez. Ah, alors. Viens ici. Non? Ils ont que des trucs qui coûtent cher. Non? 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 Ça. Quoi? Ah! Non, attends, le gamin. Ça y est, je peux enfin voler un truc. Il y en a d'autres. Il y a d'autres trucs. Casse-toi, le gosse! Oh, c'est pas possible, ça. Ah, les gamins, mais quel enfer sur terre, hein, franchement. Si vous en voyez, n'hésitez pas à les mettre tout de suite au pilori. Mais le gosse, casse-toi de la cuisine. Tu reviens ici, on a des trucs à voler. Ah, quelle plaie. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, le seul truc qui pouvait coûter de l'argent. Hop là, allez. Va faire une sieste. Parce que là, le temps que tu repiques un truc, il faut que tu dormes. Ok, c'est bon, elle peut retourner voler. C'est la bonne chose, c'est le commencement du kleptomania. Hop, vas-y, vole. Oui! Oh, au niveau 2 de malice, ça fait plaisir! Donc il faut attendre encore 2 heures. Oui, elle est appelée à table! Ben merci, mais on vient de manger des biscuits animaux. Merci, on va te raconter des ragots. C'est lui notre pote, hein. C'est grâce à lui qu'on est là. Hein. Je vais pouvoir voler. Oh yes. Tu vas t'en débarrasser. Voilà, t'es sympa et tout, mais après tu arrêtes de lui parler. Hein. Tu viens voler le cochon là. Hop, allez. Yes! Ça, c'est bon ça! Qu'est-ce qu'on peut voler? On peut pas voler encore le truc. Putain. Sachant de toute façon, elle n'a pas de chez elle. Hein. Elle a un terrain vide, alors ça sert à rien qu'elle rentre chez elle. Il y a ça, mais on peut pas! Il est mal placé le truc. Mais déjà, quelle idée de placer ça dans une fenêtre? Hein. Encore des goûts chelous. Hein. Pourquoi je peux pas voler des choses? C'est vraiment pas pratique. Je voudrais me la mettre dans. Non.
Mais là, je peux rien, plus rien voler, quoi. Bah, je peux plus rien voler, en fait. Écoute, tu vas redormir et tu attends que le matin arrive. Mais... Ah ! J'avais oublié qu'il y avait un étage. Je sais pas pourquoi. J'étais... Ah, mais... Ah oui, effectivement, mais j'avais pas... Mais, pff, j'étais complètement dans les choux, moi, j'étais pas du tout. Non, bah, écoutez, j'avais complètement zappé qu'il y avait un étage. Ça. Yes. Allez, vas-y, va le voler. Oui. Niveau 3, niveau 3. Oh là là. Ça, c'est bon. Ça, je peux le voler. Tiens, viens dormir. Non, pas discuter. Dormir. Parfait. Hop. Vas-y. Voilà. On va la vider, cette baraque. Va la vider de tout son blé. Étage par étage, tu verras plus ton âge. Je dis vraiment de la merde parce que je... Je sais pas. Hop, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est grand, hein, il y a de la place. Hein, et... Eh, t'en viens ici. Ah non, mais il y a rien. Je peux rien prendre. Ah, la lampe. La lampe. Vas-y, réveille-le. Qui dégage de la chambre? Tu lui parles pas, tu t'en fous, tu t'attends qu'il se barre. Voilà, Jeannette. La lampe est à nous. Oui, oui, la lampe est à nous. Vas-y, il y a un coffre-fort. On va ouvrir le coffre-fort. Ah oui, ah, il n'y a rien. Ah, bon. J'ai rien dit. On peut essayer de violer le plat de pâtes. Merde, il est plus bon, le plat de pâtes. Tu vas manger ça. C'était ta part que t'as pas fini. Oh, le gosse. Mais non! Enfoiré de commun, merde. Eh, mais je vous dis... Les enfants, faites-en pas, c'est l'enfer sur Terre, c'est ça. Ça ne sert à rien. Toujours pas voler, hein. Quelle tristesse. Ouais, par contre, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut pas toucher, ça c'est bien triste. Hein. Bon, allez, on se casse. On va aller la voir chez elle. Ça, on est à la moitié du temps. Attends, avant de frapper à la porte, on peut déjà le voler là. Tac, allez, bra. Salut. Je viens vous voler, qu'est-ce que vous avez d'intéressant chez vous? Dites-moi tout, j'aime tout, j'aime voler tout ce que je peux, tout ce que je peux mettre dans mes poches, ouais, ouais, c'est vraiment très, très super. La vie que je mène, elle est très sympa, vous savez, plus je vole, plus je suis contente. On va voler ça après. Qu'est-ce qu'on se marre? Vas-y, installe-toi, t'as raison. S'asseoir à discuter, vas-y, va t'asseoir à discuter dehors. Puis finalement, tu parles plus avec lui, tu re-rentres. Allez, viens. Casse-toi, et là, tu voles ce qu'il y a sur la table, s'il te plaît. Allez. Merde! Il l'a pas vu! Il l'a pas vu! Il l'a pas vu! Ça, c'est très bien! On va apporter un toast, tiens, allez. Ça, on peut voler, c'est bien, il y a des trucs à voler ici. C'est très très bien ça. Ils veulent se marier dans le jardin, que c'est mignon. Allez, va faire une sieste. Je pense que t'es fatiguée. C'est juste histoire que le temps passe plus vite. Hein, pour... C'est bon, tu peux revenir voler s'il te plaît. À l'abri des regards. Voilà, allez hop, dodo. Je peux venir là. Hop, tu peux essayer de voler ça, logiquement c'est ok. Oui, c'est bon, c'est piqué. Elle n'a rien vu. J'ai entendu qu'il y avait de la bouffe quelque part. Parce que c'est vrai qu'elle a un petit peu faim, donc si on pouvait lui faire à manger, ce serait pas de refus. Yep. Non, j'ai cru entendre un barbecue. Enfin, barbecue. Je me suis demandé s'il y avait un barbecue. Je sais plus parler. Au secours! Qu'est-ce que j'ai piqué après? Ah oui, bah il y a ça. Et hop, viens ici, s'il te plaît. Ouais, petite lampe, on excelle dans le vol de petite lampe. Hein. Ah, c'est bon. On va retourner te coucher. Ils vont peut-être se décider à faire à bouffer. Hein. C'est bon. Hop, tu peux venir ici. Et niveau 5. Alors, elle peut péter sur les gens. Ça, c'est bien, mais moi, je veux savoir si je peux piquer des tableaux. Oui. Bah là, on va arrêter à un autre stade. On va arriver à un stade beaucoup plus intéressant. Parce que les tableaux, ça vaut pas mal de pognon. Tu peux me voler ça, s'il te plaît. Après, tu peux aller aux toilettes, ce qui est cassé. Je vais faire pipi. Là. Vas-y. Et toutes les lampes vont y passer. Toutes les lampes vont y passer. Et ouais, 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 ouais. Et ouais, ouais, ouais. Oh. Oh, manger!
manger. Formidable. Formidable. On scotche chez les gens, on leur vole là tout leur mobilier. Ils nous font un bouffer. On va essayer de voler le jeu, le truc là. Voilà, c'est bien, une petite affiche là, ça fait 10 balles, allez, hop. C'est bon, elle peut revoler, lui est parti dormir. Ah putain, il est là, il casse les pieds. Ah, on peut aller à l'étage. Tableau, lampe, allez hop, on a le choix. C'est beau, allez, petite sieste, faire passer ça. Écoutez, c'est fatigant le vol. Hein. C'est inapproprié, arrête. Mais je fais juste dormir, monsieur. Tu vas juste aller genre dans la salle de bain. L'idéal, c'est qu'il y aille aussi pour pisser. Voilà, il va te... Et toi, tu vas voler. Non, va voler la lampe. Oui, c'est bien. Ouais, tu vas revoler ça, quoi. Ah non, tu peux pas encore. 2 heures. Oh là là. C'est bon. Non, mais discute pas avec le gosse, on s'en fout. Les gosses, c'est mauvais, c'est pas bien. Non. Faut faire genre on s'en va. Tu peux pas. Ah, tu peux pas piquer. Genre qu'on. Yes! Vol. Oui, c'est pour ça. Alors, 12 minutes. 4, 3, 2, 1. Non, tu vas pas aller aux toilettes, tu vas voler ça. Allez. Allez, hop là. Hop là. Dodo. Non, on peut pas encore voler. Ah! 43 minutes. Si tu veux faire de l'exercice, fais des abdos, fais des pompes et étire-toi. J'ai envie de prendre celui-là. C'est volé. Voilà, volé. Et hop, compétence 6. C'est trop fort. On squatte comme des porcs, là. Ah non, mais c'est ignoble. Hein. Puis voilà, il faudrait que quelqu'un nous fasse à manger, quand même. Hein. Vas-y. Non, il n'y avait pas. C'est pas vrai, il n'y avait pas tous ces tableaux sur ce mur. Casse-toi, le gosse. Oh, purée, le gosse. Quel enfer, les gosses. Attends, il y a quelqu'un en haut? Ouais, bah, ils sont tous les deux, sinon il y a ça. Et tu peux peut-être le choper. Oh oui! Oh oui! Oh oui, il reste 4 minutes, 13. J'ai envie de dépouiller ce mur, d'accord? Par contre, il fait faim, hein, au bout d'un moment. Ah bah, les œufs, ils ont beau éclore, tant que c'est pas dans mon assiette qu'ils éclosent en style omelette, ça m'intéresse pas. Lave pas tes mains. De toute façon, tes empreintes sont déjà partout, là. Et il reste 3 minutes. Non! Non mais quand même, et les Sims, vous êtes de pire en pire. Hein. Ah oui, t'as la dalle, ma petite. Bah, je sais bien, mais il n'y a personne qui te fait à manger. Bon, j'ai des biscuits animaux, bah, ça va t'occuper un petit peu. 2 heures. Une petite sieste. Quand tu es voleur, tu es tout le temps super en forme, parce que, bah, facile. Hein. Tu vas voler les patates poires. Voilà, allez hop, sieste. Allez, 6 minutes. Freeze. Oh, non. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a toujours un qui fait chier avec Freeze. Je sais toujours qui c'est toi. Eh ben voilà! Merci! Elle s'est fait prendre par le gosse. Bravo! Merci! Ça fait plaisir. Je l'ai pas vu arriver, cet enfoiré de ses morts. Mais tout le temps, il me fait ce coup. Vous savez que le seul qui va me faire Freeze pendant des challenges comme ça... Ça peut être que Martial. C'est pas grave, tu l'as quand même piqué ce truc. Mais en fait, tu peux le. Mais tu peux repiquer, pourquoi je m'emmerde en fait? Quoi? Mais il est encore là, ce gosse de merde! Oh non! 50 secondes, non mais c'est hors de. Va le réveiller. Ce saloperie de gosse là, il est là et il casse la vie là. Non, mais non, mais non! Il est où ce chien de merde là? Il s'est barré? Allez hop, tu me le prends celui-là. Putain, tu peux pas. Oh non, mais 8 heures! Bah oui, bah c'est mort en fait. C'est mort, archi mort. Reste 20 secondes. C'est fini! Je peux plus rien faire! Voilà! 3, 2, 1. Voilà. C'est fini. Nous allons rentrer chez nous. Parce que... Enfin, chez nous sur notre terrain. Et on va regarder ce qu'on a réussi à piquer.
Bon, eh bien, qu'avons-nous donc dans notre petit inventaire de voleuse? Oh, c'est pas mal du tout ça. Le tableau patate, 375. Une lampe à 340. On fait une prédit. Bah, plus ou moins de 1000, ce sera forcément plus. Après, je sais pas. Nous avons 3... Trois fois le même tableau à 415. Il vaut cher celui-là, je savais pas. Oh, 1075 Simflouz. 1030. 395 le coq. Petit joueur. Hein. 440 celui-là. Et ça coûte hein, ces merdes hein, quand même. Hein. Alors la vache, je l'ai pris... Et 250 la vache, c'est ce que j'ai pris en premier. 230. Oh, on commence déjà à faire des petits larcins qui coûtent hein, quand même. Hein. Ça c'est 120. Ça c'est 230. 150. La lampe. L'épisode des lampes à 100 simflouz. La lumière à 100 simflouz également. Deux fois le centre de table à chacun 100 simflouz. Deux fois la composition à 100 simflouz. C'est vrai que mariage, ils sont très sur des prix pareils quoi. Bon, le truc le moins cher, c'est l'affiche que j'ai piqué au gamin. Et encore des lampes. Voilà mon petit butin. Donc maintenant, j'ai remis à zéro les sous-sous du foyer. On va voir à combien s'élève mon petit butin. Hop. Aïe, 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 aïe. Ça a tellement de thunasse. C'est beau, c'est beau, c'est beau. La bonne tunasse, ça rapporte bien d'aller voler chez les gens. C'est ignoble. Et c'est donc 6745 simflouz de butin en une demi-heure de gameplay kleptomane. Et écoutez, si l'envie vous dit de le tenter également ce petit challenge, n'hésitez pas à me dire votre score dans les commentaires, n'est-ce pas? Le like, le commentaire, le partage, tout ça, vous connaissez. Merci Charlie pour l'idée de ce petit défi. Et on se retrouve bientôt. YouTube, ciao, des bisous.